a Universal Interactive Studios production. Developed by Traveler's Tales. Crash Bandicoot, the Wrath of Cortex. Eh bien, salut à tous, c'est Drageric et on se retrouve sur Crash Bandicoot 4. Sauf que là, il y a une petite chose que vous demandez, c'est pourquoi est-ce que vous vous rappelez pas, pourquoi vous vous êtes dit dans la tête, il y a Crash Bandicoot 1, 2 et 3, et pourquoi vous vous rappelez pas du 4? Eh ben, c'est tout simplement parce que il était mauvais, et même Twin Sanity s'est foutu de sa gueule. Ouais. Mais en tout cas, on va voir pourquoi il est mauvais, hein. Ah bah tiens, petite cinématique. Alors, c'est la troisième fois que je tourne, hein, parce que le PC a crash, et voilà, j'avais pas envie de recommencer. Je pense que je vous l'ai déjà dit dans l'épisode d'avant. On peut voir déjà que graphiquement, ça, c'est crash. Et niveau musique, c'est ça va. Non, la musique du titre est quand même pas mal. Donc on va quand même lancer, hein, parce que on va pas rester comme des cons. Français, nouvelle partie. Et vous allez voir que les voix sont plutôt... voilà. Alors... Oh putain, c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. Bon, on est en début de PlayStation 2, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris, on est sur PS2. est-ce que ça va loger ? Alors... Putain, ça clignote, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Oh, bah ça loge, c'est parfait. Terminé. Parfait. Bon. Aïe. Alors, je rappelle que cet épisode n'est pas remboursé par la par la sécurité sociale. Donc, désolé. Imbécile, idiot, abruti, vous êtes vraiment des incapables. D'après mes sources, les statistiques de propagation du mal sont lamentables. Ouka ouka, ce n'est pas notre faute, c'est celle de ce maudit Bandicoot. Je ne laisserai rien ni personne contrarier la volonté du mal. Surtout pas un marsupial orange sans cervelle. Crash doit être éliminé. Ouka ouka, est-il nécessaire de vous rappeler que Crash trouve toujours un moyen de faire échouer nos plans? Il est peut-être trop fort pour nous. Assez d'excuses. Revenez tous les cinq avec un bon plan, bande de minables. Sinon... Comment puis-je me fourrer dans de telles situations? Oh, il doit bien y avoir une solution. Docteur... N'êtes-vous pas en train de mettre au point une nouvelle arme secrète dans votre laboratoire? Je ne vois pas de quoi tu parles, Entropy. Docteur Cortex, je crois qu'il fait référence à l'arme super secrète sur laquelle vous travaillez jour et nuit depuis la dernière fois où Crash vous a vaincu. Assez de chamaillerie. Avons-nous un plan? Bon. Lors de mes travaux scientifiques, j'ai créé une super-arme génétiquement améliorée d'une puissance incroyable. Il ne me manque plus qu'une source d'énergie suffisante. Un élément. Les éléments. Oui, les masques des éléments. Oui, les masques des éléments. C'est ça. Si je libère leur énergie destructrice, j'aurai assez de puissance pour mon arme secrète. Je pourrais aplatir les montagnes et démolir des villes entières! Et Crash Bandicoot disparaîtra jamais de la surface de la Terre. Prépare-toi à affronter ma vengeance, Crash Bandicoot! Que se passe-t-il? Non, c'est impossible! Oh non! Que se passe-t-il?
Crash, attention! Rien de cassé? On dirait qu'Ouka Ouka, mon jumeau maléfique, nous prépare encore un sale tour. Je dois découvrir ce qu'il manigance. À plus tard. Ah, bonjour, mon misérable jumeau. Je t'écoute, Ouka Ouka. Quel plan diabolique as-tu encore imaginé avec le docteur Cortex? Pas de problème. Juste quelques vieilles connaissances en visite. Non, pas les masques des éléments. Ouka Ouka, qu'est-ce qui t'a pris de les libérer? Tu as déjà oublié ce qui s'est passé la dernière fois? Ils sont donc responsables de quelques raz-de-marée, tremblements de terre et de la petite ère glaciaire qui a sévi il y a plusieurs siècles. Ne fais pas trop de soucis, frérot. Tu ne peux pas les contrôler, Ouka Ouka. Ils sont bien trop dangereux. Nous pourrions tous périr. Au contraire, Aquaco. C'est le début de la fin pour vous et votre précieuse planète. Détruisez-le! Tu ne t'en tireras pas comme ça. Personne ne pourra nous arrêter. Crash, Coco, c'est exactement ce que je craignais. Ouka Ouka et le docteur Cortex ont libéré un groupe de masques destructeurs appelés Masques des éléments. Nous devons les arrêter avant qu'ils ne détruisent la Terre et ses habitants. Le seul moyen d'arrêter les masques des éléments est de les emprisonner en utilisant les cristaux antiques. Pour renvoyer un masque des éléments dans son état d'hibernation, il faut récupérer 5 cristaux. Ne perdons pas de temps. Coco, où en es-tu de la nouvelle chambre de téléportation sur laquelle tu travaillais? C'est bientôt prêt. Quelques petits réglages ici et là, et ce sera prêt à fonctionner. Bien joué, Coco. Profitons-en pour effectuer un petit test. Dépêchons-nous. Il est temps de remettre les pendules à l'heure. Aïe! Maintenant vous savez pourquoi le jeu a pas très bien marché. Et je pense que vous aviez oublié... Ah. Crash Bandicoot, mon ennemi juré! Qu'est-ce que tu deviens? Tu ramasses toujours des cristaux? Les habitudes ont la peau dure, n'est-ce pas? J'ai employé mes jours à quelque chose de plus intrigant. Voici Crunch, ma dernière création. C'est ça la créature qui sabote à chaque fois vos plans de génie? Vous plaisantez? Je ne vais faire qu'une bouchée de ce petit rat. Allons Crunch, tu vas bientôt affronter Crash. N'est-il pas incroyable? C'est un digne représentant de mon génie scientifique. Un vrai guerrier Bandicoot, contrairement à toi, Crash. Eh oui, on fait tous des erreurs. À bientôt. T'as raison, on fait tous des erreurs. Et là, vous avez fait une très grosse erreur. Alors, pour ceux qui se sont demandés, oui, donc ce que j'étais en train de dire, c'est que, bon, déjà, visuellement, c'est dégueulasse. Hein, on est sur PlayStation 2, mais bon, c'est quand même dégueulasse. Hein, c'est moins beau que la PlayStation 1. Ouais, ils ont réussi. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que, ben... Je m'en rappelle plus. Je suis comme ça, je m'en rappelle plus. Ouais, donc là... Bon, déjà, elle... vous avez reconnu sa voix, direct. Hein, pour ceux qui ont joué à Spyro. Voilà. Il y a autre chose aussi, c'est que... Ben, merde, quoi, c'est...
J'avais réussi à oublier l'époque de la techno. Mais bon, bah, ils ont mis de la techno. Oula, il y a un petit ralentissement. Alors, bon, ici on peut pas aller forcément. Bon, on va commencer par le premier. Et malheureusement, le premier niveau. Alors, oui, je suis désolé, hein, vu que la webcam est devant. Qu'est-ce que tu regardes, tête de poil? Je suis Rocco, l'élémentaire. Uka Uka et le docteur Cortex m'ont sorti de mon sommeil. Et maintenant, je suis libre de pulvériser tout ce qui se trouvera sur mon chemin. Oh, oh, n'essaie même pas de récupérer les cristaux, pauvre Nabo. Ou je t'enterre vif. Ah, le Doliprane. Une bonne invention. Pourquoi commencer par un niveau de glace? Alors, je fais genre que je découvre, mais j'ai déjà tourné un épisode comme ça, c'est juste que bah, le PC s'est éteint à la fin. Mais éteint, pas du style je m'éteins lentement, non, c'est je m'éteins d'un coup comme ça par sécurité parce que ça chauffe trop. Oui, parce que ce jeu est optimisé par des macaques, hein, et que mon PC n'est pas très puissant. Et vu que je le mets en full ultra tout ce que je peux, et ben, ça fait mal, quoi. Bah alors déjà... Oh, putain, commencer par un niveau de glace, sérieux, quoi. Tu penses à Crash Bandicoot, t'as pas envie de commencer par un niveau de glace. Alors ça aurait été justifié si on commençait par, bah je sais pas moi, par le masque de la glace. Mais non, alors je rappelle, je n'ai jamais joué à ce jeu. Bon, j'ai fait les 5 premiers niveaux parce qu'il fallait bien que je teste le jeu pour savoir s'il était pas faisable, mais vivable, on va dire ça. Oh là là, les ralentissements qu'il y a. Oh, c'est dégueulasse. Oh, le PC, il va pas aimer. Oh, c'est dégueulasse. Ok, d'accord. Je sens que le PC va s'éteindre. Je sais pas pourquoi. Alors... Voilà, Ongaga. On fonce, tant qu'il n'y a pas le masque. Enfin, tant qu'il n'y a pas l'autre connard, là. Non! Alors, on va aller là, voilà. Nye! Bam! Voilà. Alors, notre but, récupérer des cristaux, c'est original, hein. C'est un mélange de Crash Bandicoot 3 et de... Non, en fait, c'est pas original, c'est juste Crash Bandicoot. Ils sont pas fait chier, hein. Ils ont mis exactement les mêmes sons pour moi et pour les ennemis. Du coup, on a l'impression que c'est buggé, qu'il y a du... Non. Non, clairement, ils sont pas fait chier pour ce jeu-là. Alors, pourquoi je fais ce jeu-là? C'est pour... c'est juste pour la blague de Twin Sanity, en fait. Parce que Twin Sanity, je vous le ferai. Mais il faut que je passe ce jeu-là avant. Parce que, c'est une continuité. Ah là là, le Saint Graal. Pas celui-là, hein, Twin Sanity. Alors... Oups. J'ai cassé la boîte. Alors bon, malheureusement, vous verrez pas le nombre de vies que j'ai. Je crois que j'en ai 6. C'est pas grave, on s'en fout. Alors, j'ai testé la dernière fois. Non, cette eau de 1 mètre de profondeur, on peut pas aller dedans. Hein. Malgré qu'elle soit méga transparente et qu'elle n'a pas du tout l'air dangereuse. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Bien sûr, je suis sur un niveau de glace, hein, les savonnettes. Vous connaissez bien ça, les savonnettes, c'est bien, c'est cool. Bam. On va éviter de faire des conneries quand même. Bon, au moins on glisse déjà moins que Twin Sanity. Enfin, Twin Sanity, je veux dire Insane Trilogy. Parce que N5 TG, ils se sont dit, tiens, et si on faisait en sorte que la gravité soit logique? Ouais, c'est pas mal, sauf que sur un platformer, on s'en bat les couilles de la gravité. Ah là 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 là, ce jeu va être une torture. Mais bon, je vous le fais en webcam, comme ça, ce sera déjà mieux. Vous m'avez réclamé la webcam, alors, c'est très compliqué de faire de la webcam, parce que ça pompe sur mon PC aussi, un peu. Et le moindre degré de puissance, bah, j'aurais bien voulu le garder. Bizarrement. Yeah. Alors ça, on dirait de la nitro, mais non, en fait, hein, on peut le toucher, hein, ça ressemble exactement à la nitro, mais non.
Alors, je ferai pas tous les trucs, hein. J'ai pas envie de faire le jeu à 100%. J'ai pas envie de m'infliger ça. Clairement, non. Je suis déjà en train de faire le jeu, je suis assez sympa. Mais là, non. Alors, pour ceux qui se disent, waouh, mais c'est une webcam super de bonne qualité. Non, non, elle est en... Elle est en 240p. Autant dire, c'est pas beaucoup. La route du vent. Ça tombe bien, ça correspond bien au jeu, oui. Ça correspond bien au masque de la Terre, hein, parce que tu penses à tornade, tu penses à glace, ça te fait penser au masque de la Terre. Lol. Yeah. Il génère des tornades, attention. Putain, on dirait Destroy All Humans, mais en mauvais. Putain, mais tire droit. Mais vas-y. Ah, par contre, ouais, faut être à 2 cm du truc. Bon, en vrai, c'est pas un mauvais jeu, mais... ils sont pas foulés, en fait. Alors... J'aimerais tirer droit. Qu'est-ce que c'est que ces machins? Ils sont pas foulés, hein. Ils ont juste repris les niveaux de Crash Bandicoot 3, puis voilà. Basta. Mais vas-tu le toucher? Putain, mais faut être à 2 cm de ce machin pour le toucher. Allez. Non, mais un peu plus, voilà. Alors les contrôles sont hyper sensibles, hein. Je sais pas si c'est naturel ou pas. Oh bah tiens, j'ai fait un kill comme ça. Voilà. Yeah. C'était dur. Bon, en même temps, c'est les premiers niveaux. Yeah. Heureusement qu'on est sur PC, mais à ce qui paraît, sur PlayStation 2, les chargements étaient très longs. Genre, trop longs. Genre, beaucoup, beaucoup trop long. Ah, ça par contre, ça c'est la grande entourloupe. Ça par contre, c'est un niveau amusant. Tu me cherches le Bandicoot, hein? Mauviette. C'est gratuit, c'est comme ce jeu, c'est gratuit. Oui, parce que j'allais pas payer pour un jeu comme ça. Je suis pas fou, moi. Alors, ça, bizarrement, ils ont réussi à faire un jeu amusant. Avec une boule. Alors, tech. Tout n'est pas à jeter dans le jeu, hein. Il y a des choses amusantes. Alors, ça particulièrement, je trouve ça fun. Il y a du challenge. Si tu vas trop vite, tu meurs. Et si tu vas pas très vite, bah tu vas pas très vite. Allez, allez, bon, voilà, tac. Alors, voilà. Alors, dites-moi ce que vous en pensez, hein, de la série. Hein. Moi, en tout cas, je compte la faire. Hein. C'est soit ça, soit il n'y a pas de Twin Sanity. Vous êtes punis. Alors, pour ceux qui se demandent, je suis sur EPSX2. Hein, je suis sur un émulateur. Et je joue avec une manette de PS4. Et je viens de tomber. J'aurais mieux fait de fermer ma gueule. Après, je vais falloir me dire comment il a fait pour rester dans cette boule. Au moins, si ça aurait été justifié par... Alors, il y a des gaz toxiques et faut pas sortir dehors. Mais là, non, non. S'en bat les couilles, t'es dans une boule. Puis voilà, allez hop, amuse-toi. J'ai envie de te dire... niveau scénario, déjà, le jeu, il est en mode... on s'en bat les couilles. Genre, il a besoin d'énergie. Ouais, mais pour faire quoi? Je veux dire, son être, il a déjà, là... Crush. On verra dans les autres Crash, hein, qui aura quand même pas mal changé de design. Genre, il va beaucoup trop changer de design. Ouais, non, 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 ça, je me rappelle la dernière fois. Non, non, on va pas aller là. On s'en fout. Je sais que j'aurais pu monter, mais je m'en bats les couilles. Oui. On tourne. Oh, 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 attention, attention, attention. Yeah. Attends, j'ai oublié des caisses là. Non, oula, elle tombe pas.
Alors les caisses, elles sont sur du marron, un peu, enfin, les caisses sont marron sur un truc marron, sur des trucs marrons. Alors, tac. Alors, voilà. Attention, voilà. Wow, j'ai vu une caisse là. Là, voilà. Oh, attention, il y a de la nitro ici. Checkpoint. Oh, synchronisation parfaite. Bon, on est au début de la PlayStation 2, hein, c'est-à-dire que les graphismes n'étaient pas de malade, quoi. C'était juste qu'on avait plus de polygones, alors bah, on a fait plus de polygones, hein, mais ils sont pas fait chier. Va falloir attendre Twin Sanity. Hein. Alors, ah, voilà notre truc électrique, mais moi j'ai vu un truc là-bas. Là. Wow, ouais, pourquoi il met en... Ah, d'accord, ok, c'est qu'on aurait pu aussi passer par là. Freiner, c'est impossible avec une boule. Pour ceux qui m'auraient demandé. Est-ce qu'on peut tomber là? Non, on peut pas tomber. Bon, alors, tac. Alors, voilà, voili voilou. Attends, on prend ça. Voilà. Et on va là. Et boum. Ce niveau n'avait aucune logique. Mais on a eu le cristal. Je sais même pas pourquoi je récupère les cristaux. Hein, rien ne m'incite à le prendre. Ou alors je suis vraiment très con. Je suis con. On va dire ça. On va faire ce niveau là, il n'y a pas de lézard. Ouais. Il n'y a pas de lézard. Si tu veux que je te dise, il n'y a pas de lézard. Ah oui. Bah tiens, celui de la démo. Donc là, je suppose qu'on est dans le labo, hein. Ouais, attends. Bon, eux, je parie que c'est ça. Alors, eux, ils sont différents, hein. Ils ont des trucs à tête chercheuse bien violents. Je me suis fait avoir, hein, la dernière fois que j'avais tourné l'épisode. Quand le PC s'était éteint. J'adore. D'accord, je vais traverser, on s'en balèque. Tac, voilà. Ouh, la caméra, elle change. Ouh, attention, il y a du budget. Alors, j'ai essayé les checkpoints, mais faut pas. Dans ce jeu, la nitroglycérine, c'est... Ah, putain! C'est un plus gros cancer que le reste. Ah! C'est ça, le lézard? Bah, c'est pas un lézard, c'est un dragon, mais... Enfin, c'est censé être un... dragon, même si c'est le dragon le plus moche du monde. Est-ce que je peux me faire mal si je touche? Ah, il me one-shot! Ok, bah, j'ai deux masques, mais... voilà. Alors, le but, cours pour ton cul, cours pour ta vie. Oh là là. Checkpoint. Petit ralentissement, parce que l'optimisation, c'est fait avec le cul. Bon, tu vas me dire, les ralentissements, ça me dérange pas. Au moins, je peux avancer tout droit. Ah, les ralentissements, c'est dégueulasse. Et pourtant, j'ai une GTX 750 Ti, un processeur quad-core en 3,8 GHz. Hein. Mais non. Non, le jeu... Ah putain, c'est qu'il continue encore. Ah oui, ça, je m'en rappelle, les nitros. Aïe. Putain, mais arrêtez de foutre de la fumée partout et des effets de malade, hein, je veux dire... Non mais à peine je bouge. Par contre là j'ai plus mes masques. Et là c'est la panique. Ah bah oui, je fais des sauts de 2 mètres, hein. Ah, je sais d'où ils ont piqué leurs idées, Twin Sanity.
Pas Twin Sanity, pardon, putain. Je confonds toujours Twin Sanity et Insane Trilogy. J'ai combien de vies? 9. J'ai cru apercevoir 9. Putain, mais tous ces effets... Mais putain, mais pourquoi vous mettez de la nitro là, quoi? Putain, c'est pas vrai. Quelle bande de trous du... Oh putain, mais c'est déjà assez chaud comme ça. Ok, on évite. Ah! Bon, niveau vibration, ça vibre, hein, la manette. Là, elle vibre... Elle va perdre toute sa batterie en faisant ça, tu vois. Mais bon, au moins, c'est branché. Alors, pour ceux qui me demandent des épisodes webcam, je veux bien, mais c'est quelque chose d'hyper chaud, hein. Mais réellement hyper dur. Parce que il y a un channel pour la webcam. Au montage, ça va être une horreur. Je suis sûr que le PC, il va ramer. Il va tellement ramer que je pourrais rien faire. Enfin voilà, quoi, c'est pour vous dire, je pourrais pas tout le temps vous faire des épisodes. Quoi? C'est pas vrai. Alors, en plus, j'ai le micro. Vous le voyez pas parce que j'ai bien foutu le truc. J'ai bien mis la webcam, mais le micro, il est là et il prend genre tout le devant de l'écran. C'est-à-dire, je vois rien. Alors voilà. Voilà, je déteste les micros. Et regardez comment on a tout fait en 3D. Même les vies, elles sont 3D. Oh, c'est beau. Voilà. Et nous voilà, on a réussi. Alors je regarde le temps, excusez-moi. Oui, c'est ça. Par contre, le dernier niveau, hein, le cinquième, il est totalement cheaté. Il dure quoi, 20 minutes? Non, j'ai le temps de vous faire le boss quand même. Yeah! Crash Bandicoot 4, c'est exactement le même que le 3, sauf que c'est sur PS2. Je vais te botter ton derrière de marsupial. La violence gratuite, les enfants, la violence gratuite. Le seul qui s'est fait botter le cul, bah, c'est moi. Pourquoi je fais ça? Je suis tombé dans la délinquance. Oh non, je me rappelle de ce niveau. Ah, oh, en plus, les yeux fermés, je l'ai fait. Ah, putain. Ouais. La musique. Non, j'avoue, elle est pas dégueulasse. Ça me fait penser à Spyro, ce niveau. En fait, tout a été volé à Spyro. Pro gamer. Putain, et ça c'est bâtard, c'est genre ils te mettent le truc vraiment devant en mode nique ta mère. Alors par contre, il y a pas de checkpoint, hein. C'est pour ça que je fais gaffe. Et ouais, on enchaîne direct, mon gars. Y'a pas de respect. Et là, on part sur un niveau qui a carrément rien à voir avec le masque, hein. C'est le masque de ça. On les adore, ces mecs-là. Yeah. On a mis des vis là, parce que... Ça va, tu fais pipi, toi, tranquille? Tac, tac. Ah! Non, c'est bon, je suis assez loin des bombes. Ah! C'est... Non, rien. Non, clairement rien. Je dis plus rien. Ce jeu, faut pas réfléchir. Ce jeu ne veut pas qu'on réfléchisse. Putain, va falloir vraiment que je me coupe les cheveux, hein. Et voilà, techno 2000. La techno.
Ah là, la techno, ça faisait un malheur à mon époque. Ça a duré quoi 2 ans? Ah mon dieu. Bien sûr, la télé a continué à en parler en mode « Waouh, la techno, regardez, c'est la musique des jeunes !» Ça faisait déjà 1 an que c'était mort, mais bon... Putain, mais mettez-moi des niveaux qui sont en rapport, genre, je veux dire, c'est censé être quoi? C'est censé être le masque de la Terre. Bon, là, je suis d'accord, là, on a enfin un niveau qui a une logique, mais tout à l'heure, on avait un truc dans le vent, puis après, on avait un truc que c'était des roulades, ça avait... aucun rapport. Je peux pas le taper par derrière. D'accord. Je crois que je peux même pas le taper tout court. Alors je fais pas les checkpoints, hein. Enfin les points de départ, tiens, ils ont changé. Je fais pas les niveaux bonus parce qu'il y a de la nitroglycérine à chaque fois. Et la nitroglycérine, vous savez comment j'adore ça. J'adore. J'ai failli décéder. Alors, tac. Yeah. Oh putain, c'est qu'il y a de la nitro dès le départ. Voilà. Pardon. Voilà, merci. Parce que je passe à travers. Waouh, des sismographes et des trucs pour savoir si t'as la... Enfin, non. Je sais même pas comment ça s'appelle, les trucs comme ça. Putain, je déteste les... Ouh. Non, c'est bon. Vous savez à quoi je pense? Est-ce que le PC va cramer avant que je passe le jeu ou est-ce qu'il va cramer au moment où je vais enregistrer? Non, parce que la dernière fois, j'appuyais sur le... Bah, j'appuyais, c'était bon. Ça enregistrait, sauf que non, je me suis fait baiser à ce moment-là. Aïe, ça fait mal. Bon, en tout cas, on va en profiter de l'invulnérabilité, là. Allez, ça. Yeah, on s'en fout. Alors, et voilà, on a fini le niveau, c'était... chiant. Non, en vrai, ce niveau, il était pas mal. Mais c'était quand même chiant. Il me semble que c'est pas Naughty Dog qui fait ce truc-là, c'est Traveller Tales. Et Traveller Tales a été acheté par Activision. Bah, tu vas me dire, si Activision achète que de la merde, ça me dérange pas. Hein. Comme ça, tu sais, au moins sur la boîte, si c'est un bon jeu ou un mauvais jeu. Alors, on dirait que notre petit ami a été bien occupé avec tous ces cristaux. Je t'avais prévenu, Bandicoot. Enfin, je peux tordre ton misérable petit cou orange. Voilà. Ça, c'est une discussion qui sert à quelque chose. Enfin, discussion, c'est quand on parle les deux. Là, c'est plutôt un monologue. Mais, bienvenue dans Marteau... Enfin, bienvenue dans Mario Party Game. Où le but étant de... Bah, d'éviter le gros lard et de... Et de taper dans des bulles. Si ça te fait penser à Spyro, c'est ça. Avec les contrôles, c'est aussi dégueulasse que ta grand-mère en slip. Waouh. Bienvenue dans Crash Bash. Tu sais pas pourquoi tu tapes des météorites, ça n'a pas été expliqué, mais bon, quand tu fais ça, ça fait mal. C'est dur. Très très dur. Voilà. Ah, il va me toucher. Alors lui, il essaie de me buter, j'ai 100% de vie, parce que oui, il y a un pourcentage de vie, lol. Si au moins j'avais eu des masques, ça aurait expliqué un truc, mais bon... Et waouh, les trois, j'avais juste à tourner en rond. Voilà, là il est vénère. Par contre, là c'est la partie chaude. Parce que là il y en a 4 à toucher et s'il touche les trucs, ça les remet normaux. À tourner en rond. Voilà. Le dernier, il est où, là? Enculé, viens là! Ah, le v'là! Mais descends! Je lui demande de descendre! Viens là! Voilà. Easy! Dites-moi ce que vous en pensez de la webcam, hein.
sait jamais si elle est bien placée, c'est tout ça. Marcher sur la pointe des pieds, hein, c'est ce qui est normalement écrit. Pour marcher sur la pointe des pieds, maintenez L2 enfoncé pendant ta course ou ta marche. Pour continuer, appuyez sur la touche X. Crash 3. Avec des pouvoirs de merde. Hey, tu te rappelles de la roulade de malade, du bazooka, de la moto, ou encore du super pouvoir où tu pouvais faire un double saut? Bah là, tu peux marcher sur la pointe des pieds. Ah, cinématique. Cortex, quand vas-tu me débarrasser de ce maudit Bandicoot avec ta super arme? Je commence à perdre patience. J'y travaille, Ouka Ouka. Écoute, Crash, tu as peut-être été plus malin que Rocco, mais il reste 3 autres masques. Et bien entendu, ils sont tous bien plus puissants que le premier. Ha! Tu ne ressortiras jamais vivant des profondeurs abyssales dans lesquelles Wawa, le masque de l'eau, va te plonger. Parfaitement. Tu vas devoir nous affronter, le porteur d'eau et moi. Ah! Je vais te plumer des pieds à la tête. Si t'étais pas con, t'utilisais les 4 masques en même temps. Mais bon, on est dans un jeu vidéo. Hein. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut sauvegarder. Alors, je vais sauvegarder la partie. Sur ça. On va confirmer. Et voilà, normalement c'est bon. Et c'est là où moi, ça m'avait coupé et j'étais baisé au moment où j'allais... Non, casse-toi, dégage. C'était au moment où moi j'allais appuyer sur la petite touche pour sauvegarder. Et... Oh mon dieu, c'est dégueulasse. Bon! C'était un épisode catastrophique, comme on les aime, avec la première webcam de ma chaîne YouTube. Et bah, bonjour à toi, Dragerac du futur, hein. T'as honte de moi. Bon, et bien c'était Dragerac et moi je vous dis ciao ciao.